Salut à tous, c'est Captain Falcon et on est une nouvelle fois sur Alien Breed Impact pour l'épisode 8 et peut-être, si je me débrouille bien, le dernier épisode. Donc on était arrêté, donc j'avais fait un petit passage dans l'espace dans l'ancien épisode, vraiment sympa, et en fait on en était à... j'étais arrivé dans le nouveau vaisseau, enfin dans l'autre vaisseau contrôlé par les aliens. Alors au niveau des armes, j'ai toujours la même chose. J'avais récupéré la dernière arme, donc le canon à ion, qui était assez dévastateur. D'ailleurs, ouais, l'utiliser. Oula, par contre, il est pas très précis malheureusement. Ça commence bien, j'ai même pas eu le temps de me préparer. Que ça arrive déjà en masse. Alors, on va bien fouiller. Donc bon, j'avais un petit peu progressé, mais bon, pas énormément. L'ordinateur il est vert là. Donc ben on va continuer tout simplement. Je m'étais arrêté assez proche de l'objectif, mais j'avais pas fouillé le vaisseau. On va prendre le lance-flamme qui a l'air, je pense qu'il va être assez efficace durant ce niveau là. Hop hop hop. Alors durant cette vidéo, oula, ça arrive pas. Dans le dos. Durant cette vidéo, je voulais vous parler du fait que dernièrement j'ai pas fait beaucoup de vidéos, tout simplement parce que j'ai pas trop le temps ces derniers temps. Du fait que déjà mes sorties vidéo ça se résume à une vidéo par semaine quand j'ai le temps le week-end. Je suis désolé si jamais des fois il y en a qui viennent voir ou quoi et qui trouvent de nouveau. C'est parce que j'ai pas le temps, en plus là les fêtes de fin d'année arrivent et donc il y a des préparatifs à faire et tout ça. Et donc du coup la semaine dernière non plus j'ai rien fait et je vous prie de m'excuser si jamais vous attendez une vidéo. Je sais pas si vous avez vu, j'ai voulu passer ma chaîne dans le nouveau système là qu'ils ont fait, mais au final je l'ai trouvé. Au début j'étais plutôt content de ce que c'est de comment c'était. Et puis en fait au final je me suis pas retrouvé on va dire et j'ai pas vraiment aimé. Du coup je suis repassé à l'ancienne version, qui au final est peut-être un petit peu mieux quoi. Donc là je suis au serveur central complètement verrouillé, il faut que vous mettiez en ligne 3 turbines pour pouvoir accéder au cœur. Donc voilà, nouvel objectif et je vais avoir accès à la première turbine. Donc pour en revenir aux vidéos, donc voilà, donc ma chaîne elle est repassée en mode normal on va dire, en mode standard comme l'était avant. Je sais pas si je remettrai la nouvelle fonctionnalité, mais je pense pas. Pas pour le moment en tout cas. Tant que j'y trouve pas mon compte, je la laisserai comme ça. Et donc voilà pour mes vidéos, je vais essayer justement que maintenant je suis en vacances pendant 2 semaines. Essayer de prendre un petit peu d'avance et essayer de booster un petit peu les sorties vidéo et en essayant de vous en proposer peut-être une oui mais deux par semaine. Donc je sais pas, je promets rien parce que je sais pas du tout si je vais pouvoir réussir à faire ça, mais si je peux ça sera tant mieux, histoire de booster un petit peu mes sorties vidéo quoi. Et là, je suis dans une salle assez petite là. Je savais bien que le lance-flamme allait être utile. Putain mais c'est super grand aussi. C'est un genre de labyrinthe. Je vais plutôt prendre la mitrailleuse, j'ai beaucoup de munitions. C'est un peu partout là, des crédits. Donc là à mon avis il va falloir fouiller pas mal l'endroit là. Du même style pour toutes les turbines. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Oui, donc si vous l'avez vu ou pas, j'ai fait, enfin la dernière fois que je vous avais, dernière vidéo d'Alien Breed Impact, je vous avais parlé de mes projets sur VF3 et le premier est sorti, donc déjà un petit moment qu'il est sorti, donc le teaser est en ligne, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et je suis en train de continuer donc le projet de présentation pour notre team qui avance à petits pas, donc là je vais continuer à faire les séquences vidéo
et donc je pense qu'il sortira sûrement au mois de janvier de l'année prochaine. Hein. Et donc après il y aura sûrement. Waouh, là j'ai foiré. J'ai fait n'importe quoi. J'ai balancé une grenade explosive. Je pensais avoir une grenade aveuglante et je me suis trompé. C'est pas grave. J'ai pas mal de kits de soins et donc ça va le faire. Donc voilà, donc la présentation de la team. Début du mois de janvier, ou enfin mois de janvier 2012, ça sera pour fêter la nouvelle année. Oh là, là j'ai entendu un bruit, j'ai pas du tout le même. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Un mec a crié. Super tendu. On va se re-soigner avec les petits kits là. Hop là. Donc voilà, donc ensuite qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, donc on arrive sûrement donc à la fin de cet épisode ou l'épisode suivant. À la fin de du jeu, de cette série Alien Breed Impact. J'étais en train de réfléchir à au jeu suivant en fait, puisque bon vous savez que ce jeu là c'est une trilogie. Donc il est en 3 volumes, mais je vais pas faire les deux volumes tout simplement pour changer un petit peu de style, et que si jamais le jeu vous a plu et que vous comptez faire l'aventure, comme ça vous pourrez faire l'épisode 2 et 3 sans spoil quoi. J'ai envie de dire donc je vais passer sur un autre style de jeu, et j'étais en train justement de réfléchir à quel jeu justement j'allais faire quoi. J'hésitais entre plusieurs, parce qu'il faut que le jeu soit, comme j'ai dit, bon, s'il est long, c'est pas forcément très grave, ça fera plus d'épisodes, mais bon, ça c'est pas vraiment un problème. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il intéresse, et qu'il, surtout que je l'ai pas fait en fait, puisque si je fais un jeu que j'ai déjà fait, ça a aucun intérêt pour vous comme pour moi, quoi. Parce que je vais déjà tout connaître, donc ça va pas être très drôle, quoi. On arrive à des passages critiques là, des embuscades de fou. Et je comprends pas pourquoi les tours elles tirent. Ah non, d'accord. Donc j'avais pensé peut-être faire sur comment ça s'appelle, sur Alice Retour au pays de la folie. Donc je sais pas si. Donc c'est un jeu, je pense, qui est un jeu d'aventure qui doit être quand même assez long. Donc je sais pas trop. Donc c'était parti sur ma. Je suis bloqué là. Ah non. C'était ma première idée, donc bien sûr il y a d'autres jeux, donc il faudrait que je voie quoi. Mais j'avais envie de partir sur celui-là parce que ça fait un moment que j'ai envie de le faire, et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo quoi. Ouais, un lance-flamme, ça c'est bien, j'avais pas stocké de munitions. Donc voilà, donc ça sera ma première idée, donc je ne sais pas, je vous garantis rien, hein, je ne sais pas du tout si c'est sur ça que je vais faire. Je vais pas passer. Allez, allez. Par contre j'étais très content de faire ce jeu là en vidéo, parce qu'il est vraiment sympa. Ah, peut-être ce côté. Lui il a une masse d'armure là, il a un tuyau quoi. Voilà, ça lui apprendra. Non, je suis vraiment pas déçu de mon choix là, d'avoir fait ce jeu. Malgré qu'il soit pas très connu, j'espère que ça l'a fait connaître pour plus de monde. Il mérite de demande d'être un petit peu plus connu. Et je me languis de faire la suite aussi. Du coup. Hop là, donc j'ai bientôt accès à la turbine numéro 1. Et à mon avis. Comme les turbines, ça va être assez long à réactiver. Je pense pas arriver à la fin du jeu au bout de cette demi-heure. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah, cours. Oh là 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 là. Un genre de méga boss. Je sais pas ce que c'était, mais. C'était violent quoi, j'ai envie de dire.
À mon avis, je ne sais pas si ce sera le boss de fin ou pas. La première turbine enclenchée. J'aurais bien aimé poser une tourelle, mais j'en ai pas. Donc là, je vais les tuer au frein. Les affaires, si on peut économiser les munitions. Voilà, donc, j'ose pas repasser, donc je vais regarder où il faut aller. Hop là. Non, je me trompe. Donc là, il faut revenir. Non, il faut aller où? Oh là, oui, d'accord. Il faut revenir complètement au bout, donc je traverse à fond. Là maintenant je traverse à fond. Là les grenades froides ils m'ont jamais autant servi là, franchement. Ah, là, ils sont un chop ceux là quoi. Les grenades frag ne m'ont jamais autant servi là. En plus, je les ai pour la plupart bien utilisées. Oh, les trois, elles me tirent dessus. Ah non, je suis dégoûté. Faut faire attention maintenant aux tourelles. Oui, il y en a une juste là. Pour passer. Là. Ça devient critique. Oh. Super tendu, on sent vraiment qu'on est dans le vaisseau d'alien. Il y en a partout et c'est pas des petits en plus. Et là je suis bloqué. Comment je fais pour aller là? Donc là j'ai évité les tourelles. Ok, il me semble que l'incendie est verrouillé. Ok. Trouver les commandes, ça doit être ça. Voilà. Forcément, on commence à être habitué à ce genre de de coups en fourbe, coups en traître. Hop là. Fire control systems online. Fire extinguished. Door online. Ok. Allez, c'est reparti. Sinon, bah, j'ai plus trop de sujets à aborder. J'espère seulement que je vais pouvoir réussir à faire plus de vidéos. Que ce soit les tutos des défaites, le prochain jeu en série que je vais faire, ou les vidéos test, ou les présentations, tout ça. J'espère passer un petit coup de boost pour cette nouvelle année. Ce sera ma nouvelle résolution, essayer de proposer plus de vidéos. Oh bah. T'es caché derrière le... Je sais même pas où je vais en fait. Je sais pas si je vais dans la bonne direction ou pas. Tout se ressemble. C'est assez compliqué. Ouais, apparemment je suis au bon endroit. Je vais quand même aller juste voir ce qu'il y a au bout du tunnel. Voilà. Aïe. Allez, on va activer la deuxième turbine. Hop là. Putain, là j'ai plus beaucoup de vie. Hop. Allez, un nouveau petit labyrinthe. Je vais essayer de fouiller un maximum. Parce que là j'ai besoin de tout et n'importe quoi. Voilà. Il faut aussi que j'améliore le canon à ion. Donc si jamais il y a un point de sauvegarde, donc, je regarde si j'ai assez de thunes. Parce que je l'ai remplacé pas mal des crédits. Si j'ai assez de thunes pour l'améliorer. C'est pas par là. Hop là. Comment c'est fait les petits, ça le fait. Un cadavre. Hop. Là, les cadavres humains là c'est même plus des cadavres. Les pauvres types là ils sont complètement carbonisés là. J'ai eu des crédits, on va pas les oublier. Bon, ça va, celui-là était moins dur que tout à l'heure. Allez, allez, allez.
fait, ils apparaissent de n'importe quel petit truc là. Je récupère un journal, mais bon, on s'en fout. J'ai plein de succès Steam, le savoir c'est le pouvoir. On dirait une petite réplique de Warhammer 40 000. Alors on continue. Bon, j'ai fait le tour. Putain, mais c'est bizarre quand même. Wow, wow, wow. Ah, oh non, ils ont cassé la porte. La musique s'emballe. J'aime pas trop ça. Lance-flamme est vraiment dévastateur. Petit tour de caméra. J'aime beaucoup le nouveau décor du vaisseau. Je crois que je l'avais déjà un petit peu parlé dans l'ancien épisode. Mais j'aime bien ce petit décor chaotique. J'ai cramé le décor là. Un cadavre. Ah, c'est vraiment le cadavre quoi, il n'y a plus rien quoi. Il lui manque les jambes et tout quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je trouve sur un cadavre pareil quoi. Donc encore le même principe de tout à l'heure. Ils sont de l'autre côté et là je trouve un fusil laser. Si je peux en éliminer facilement, c'est toujours bon à prendre. Hop, on va aller voir ce qui se trame de l'autre côté. Un fusil d'assaut, un cadavre et un medikit. Bon. Ça n'est pas venu pour rien. Apparemment le pont est déjà levé en fait. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Oh là, il a fait le tour. C'est assez spéciaux ces nouveaux aliens là, ils sont assez sympas. Bon, par contre là j'ai peur d'avoir le boss. Encore une fois, on a les produits au retour. Oh là, je suis complètement débordé. Mais alors complètement quoi. J'ai gaspillé toutes mes munitions de la... Hop, j'ai plus de petits soins. Là, je vais prendre les grenades... aveuglante, ça m'avait bien aidé ça déjà. Hop, deuxième turbine activée. Bon, c'était plus que la première. Échec du redémarrage. Ah bah en fait non. Je me disais c'était trop simple. Oh là là. Je pense que c'est pas le faire. Allez, mais tire. J'ai changé d'arme. La même chose que tout à l'heure. Le collègue ne les tue pas, je vais attendre. Nouvelle arme escale, c'est sûr. Le fusil laser a son avantage aussi, c'est qu'il tire super vite. Donc là je vais plutôt aller fouiller ici d'abord. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait pas mal de choses ici. Hop, des munitions.
kit de soins. C'est déjà pas mal. Voilà. J'ai rushé les crédits. Oh. J'ai peut-être pas dû. Ah, j'ai peut-être pas dû m'enfermer dans la salle. J'ai plus de balles dans le. Je vais prendre le fusil à pompe parce que j'ai récolté pas mal de munitions là depuis tout à l'heure. J'utilise le fusil à pompe, pourtant il peut faire mal. Une petite salle de sauvegarde ne serait pas de refus non plus. Là. On arrive dans un endroit là, pas très accueillant, une grande salle, à mon avis ça va faire mal. Ah, une salle de sauvegarde, j'en parlais tout à l'heure. Donc je vais nettoyer la salle et je reviendrai sauvegarder un petit peu après, parce que là à mon avis ça va arriver de tous les côtés. Canon, oh, canon Lyon, ça c'est bien. Non, y a rien, bizarre. Je pensais qu'il allait avoir de l'action là. Oh, 1000 crédits. À mon avis, grenade. Oh là, si je suis équipé comme ça, là, à mon avis. Donc, on va aller essayer d'améliorer la petite arme qui me reste. Donc, le canon à Lyon, normalement, je devrais avoir assez. Ouais, 9600. J'ai largement assez. Feu rapide. Aïe aïe, j'aurais aimé avoir le dégât aggravé. Donc je vais économiser encore 400. Tant pis. Je vais sauvegarder quand même. Petite sauvegarde de progression. Sauvegarder la partie. Ok. Hop là. De toute façon, au pire, je pourrais revenir ici au cas où. Ouais, donc là je pense que la turbine 2 est activée et j'ai eu 200 crédits, donc il y aura plus de 200. Ouais, faut que je me barre là en fait. Voilà, c'est bien ce que je pense. En fait, ouais, mais je suis bloqué. Là il y a la tourelle. Ah, c'est la petite tourelle, c'est pas vrai quoi. Alors, il faut aller où cette fois-ci? Ok, bon, en fait ici il y avait rien. Ok, donc il faut revenir sur ses pas. Tout simplement. Pas beaucoup de salles de sauvegarde quand même, puisque... ménage le fusil à pompe de temps en temps là, ça fait toujours plaisir. Attends, je vais me soigner parce que j'ai plus de vie là. J'ai entendu utiliser tous mes kits de vie là, mais bon, le jeu devient assez difficile là, faut l'avouer. Aïe aïe. Trop tard. Je les ai pas vus ceux-là. Donc, j'ai plus de balles de fusil à pompe, je vais prendre le lance-flamme. Ah, la tourelle, allez, allez. En fait, c'est plus la tourelle qui fait des trucs que le fait de me faire tuer par les aliens. Hop là. Voilà, c'est quoi ces petites boules vertes là? J'avoue bien, cadavre.
sais pas ce que c'est cette petite boule verte là, mais à mon avis si je m'en prends une ce sera pas très bon quoi. Oh là là là, oh là là, vite, vite. Ouais ça me paraît assez bizarre. Ouf. Je sais pas si ça l'a esquivé ou quoi mais... Je suis perdu. Je suis perdu alors. Ok donc la truc elle est vers le haut la sortie. Non mais en fait y'a rien là. Oh là. Alors, je sais pas du tout où il faut aller. Par là, je ne sais pas. Ah la gourde touche. Non non là c'est pas bon. C'est là d'où j'arrive ici. Donc, je monte mais ouais. Mais je vois pas le. Oh là là. C'est quoi ce délire là? Non pourtant j'étais pas mal là. Là je peux pas passer à part là. Ah en fait il faut suivre le tuyau en fait tout bêtement. J'avais pas compris tout à l'heure. Voilà, faut suivre tout bêtement suivre le tuyau. Voilà. Allez allez allez. On va essayer d'activer un petit peu le mouvement. Ouais, faut que lâche. Ah là. Voilà. Ok ouais donc ça c'est la dernière turbine. J'aimerais bien activer les 3 turbines avant de finir l'épisode. Ça pourrait être pas mal. Des boules bleues maintenant. Oh. Non non non. Oh. Oh, ça fait pas trop mal encore. Allez. Je suis bloqué. Je sais pas trop où je vais mais j'y vais. Ah il m'a sauté dessus le machin. Allez, merci. Il me bloque la porte. Yes Saligo. Ouais la descente. Hop. Petit machin il est gros aussi, hein. Pas de faire. Hein. Je voulais m'arrêter, tant mieux. Allez mes crèves. Un peu d'avance là. Je vais reprendre le canon. Alors, encore une grande salle. Ah une salle de sauvegarde. Malheureusement. Je sais pas, j'ai pas chronométré à combien on en est rendu, mais je pense avoir atteint mon quota de la demi-heure. Donc bah, je vais arrêter là pour cette vidéo. Tant pis si j'ai fait un petit peu moins, mais bon, ça fera un épisode de plus. Hop là, alors je pense pouvoir améliorer quand même. Ah non, il me manque encore 200. Tant pis. Donc je sauvegarde. Hop là. Sauvegarder la partie, ok. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure qui devrait sortir. Je pense que je vais essayer de les sortir assez vite. Et je vous dis bonne fête à tous et ciao tout le monde, à la prochaine.